calcule le rendement maximal d'une machine à vapeur dont la source froide est à 50 degrés Celsius et dont la source chaude est à 300 degrés Celsius. La température la plus haute, petit t1, est de 300 degrés Celsius et donc la température grand T1 est de 573 Kelvin. La température la plus basse, petit t2, est de 50 degrés Celsius et par conséquent grand T2 est égal à 323 Kelvin. Nous cherchons le rendement maximal Etamax que nous exprimerons en pourcents. Et pour le trouver, nous avons cette formule-là à la disposition, dans laquelle il suffit de remplacer T1 et T2 par leurs valeurs correspondantes. Et c'est ainsi que nous trouvons de suite que le rendement maximal cherché est de 43,63%.